Marine, on va vous raconter une histoire écrite par Laura et Philippe Bunting. Encore une histoire d'ours. Attention, chers lecteurs, ce livre contient des ours grincheux, mais l'auteur va tout faire pour te raconter leur histoire. Encore une histoire d'ours ? Il était une fois un ours brun qui vivait loin, très loin, au plus profond de la forêt. Un jour, l'ours partit à l'aventure dans une contrée... Oh non, 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 non ! Je t'arrête tout de suite. Pas encore une histoire d'ours. Dites donc, l'ours, tu interromps mon récit, là? Que se passe-t-il? Tu sais combien qu'il y a d'histoires d'ours? Hein? Ah ben, je vais te le dire, moi. Trop. Dès que les enfants commencent une histoire d'ours, on doit la jouer pour eux. Même quand on est au beau milieu d'une activité géniale. Par exemple, dormir, roupiller ou faire la sieste. On n'a pas le choix. Il faut tout lâcher, s'exécuter. Mais enfin, qu'est-ce qui plaît tant dans les histoires d'ours ? On n'est pas si formidable. Et où est passé le saumon? On est souvent glouton, grognon, paresseux et un peu féroce. On est épuisé. On en a assez de faire tout le boulot. Marre des histoires d'ours. Marre des histoires d'ours, ours en bout de course, on n'en peut plus. Sors des griffes. Je comprends, mais alors que vont dire les enfants? Oh, ça, c'est ton problème. Nous, on jette l'éponge. Impossible. Si. C'est possible, la preuve. Ah, c'est ce qu'on va voir. Vêtu d'un tutu rose, l'ours enfourcha un vélo tout-riquiqui. Oh, d'accord. Donc, si on refuse de coopérer, tu nous feras passer pour des idiots. Eh bien, ça ne marchera pas. Non. Il engloutit une plâtrée de bouillie brûlante. Puis il se mit à dos tout un essaim d'abeilles. Dégage ! Et il fit un gros bisou baveux à une grenouille pour la transformer en prince charmant. Alors là, par question, hein ? Allez, vas-y. Les enfants pleurèrent à chaudes larmes quand ils comprirent que leur personnage préféré n'était rien qu'un sale égoïste. Alors là, c'était un coup bas. Bon, voici ce que je propose. Je trouve un autre animal, encore mieux que nous, et tu nous laisses tranquille. Fini les histoires d'ours. Marché conclu ? Marché conclu. Bon. Bouge pas, c'est exactement ce qu'il te faut. Allô? Et un, deux, et trois, voici la nouvelle vedette. Dis donc, l'ours, tu sais combien d'éléphants tiennent dans un livre? Pas beaucoup, ils sont trop gros. Bon, ok. Pic, 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 un équidé alors. Trop piquant. Un corbeau? Ah, trop.
trop bruyant. Oh, yaou, un château. Trop mignon. Tchou-tchou-tchou-tchou, un ouistiti. Trop foufou. Bon, 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 bon. Une taupe à nez étoilé. Trop, hein? Oh, j'ai peur. Une roussette. Oh, trop sinistre. Clac, clac, clac. Un crabe. Oh, trop ténueux. Un dodo. Trop disparu. Un cheval. Niette. Un pan. Trop huppé. Vers de terre. Trop rasoir. Coco, un koala. Oh, trop câlin. Un poisson pêcheur. Quelle horreur. Coucou, coucou. Un kangourou. Boum, boum, trop bondissant. Et splouf, un saumon. Et où est passé le saumon? Grrr, un guépard. Trop rapide. Une tortue. Trop lente. Une araignée. Oh, trop affreuse. Une gazelle. Oh, trop froussarde. Oh, poisson globe. Sérieux? Bon, ben c'est tout. Je connais pas d'autre animal. Alors, l'ours, tu vois bien, vous seul avez toutes les qualités pour figurer dans une bonne histoire. Bien sûr, les ours sont parfois gloutons, grognons, paresseux et même féroces. Comme tout le monde, non? En fin de compte, les ours sont parfaits. Ah, et donc? Pas d'inquiétude, j'ai une idée. Il était une fois un ours brun qui vivait loin, très loin, au plus profond de la forêt. Un jour, l'ours s'endormit et hiberna pendant 8 longs mois, sans interruption. Ne pas déranger. Par chance, quelques amis acceptèrent de le remplacer pendant cette pause bien méritée. Boucle d'or et les trois ours. Cette histoire ne contient peut-être pas d'ours. Fin. À bientôt pour une prochaine histoire, avec ours ou pas. À bientôt.